Une nouvelle faute, Michel Drucker est revenu sur son hospitalisation. Mais au lieu de raconter sa convalescence et sa perte de pointe, l'animateur de Vivre Dimanche a confié l'humiliation qu'il a subie. C'était une épreuve difficile, humiliante, t'avais traversé le septuagénaire. Malade, l'animateur était contraint de se laisser soigner par les infirmières. D'après ce dire de Parima, ce sont même ces dernières qui l'ont aidé tout fait, y compris se laver, faire ses besoins. Une totale gêne pour celui-ci. L'animateur de télévision Michel Drucker. Photo dite image, une lourde opération du cœur, c'en était moins une, si qu'elle était de santé de Michel Drucker, il a dû subir d'urgence une opération cardiaque. Il eut très peur, le téléphone pointe à vous d'être admis au bloc, il est fondu aux larmes en voyant ses compagnes d'Eini Saval. Je n'avais pas pleuré de cette façon depuis 18 ans, la mort de mon frère Jean, le gros drame de Neuf, était-il avoué. Mais encore, ce n'était que le début. En effet, l'opération était une réussite et s'ensuit dès deux jours de convalescence. L'animateur de télévision Michel Drucker. Photo dite image, les infirmières sont entrées de son intimité sur son lit de septuagénaire, s'est senti telle une espèce de pantin de marionnette. Chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il a été obligé d'appeler les infirmières, c'était gênant, comme elle si bien rapporté l'animateur. J'avais peur qu'elle me déteste, qu'elle ne trouve chien de chose, je te gonflerai, mais non jamais. C'est leur quotidien. Ces soignants, ces médecins, ces cardiologues français sont parmi les meilleurs au monde, a-t-il fini par dire. L'animateur de télévision Michel Drucker. Photo dite image, il est vrai que leur quotidien était de prendre soin des malades, mais n'empêche qu'à certains moments, le roi de la télévision s'est senti humilié. Il s'est d'ailleurs rappelé être devenu quelqu'un de sans force, comme Agnès qu'on l'a vu confurine, qu'on m'emmène s'asseoir aux toilettes petit peu. Heureusement, ce mauvais souvenir est désormais derrière lui. Il a perdu 11 degrés Kelvin, il ou Michel Drucker semble aller mieux. Ce contrat qui lui aussi fait son grand retour à la télévision. Mais même s'il s'efforce de continuer son train-train de vie maintenant, beaucoup de choses prouvent que son opération lui a laissé des séquelles, y compris ses pertes de...